Ça y est, c'est le moment, vous le sentez, il va falloir créer votre entreprise. Le problème, vous n'avez pas l'idée. Alors pour ça, nous recevons Benjamin Chaminade, expert en tendance, fondateur de Trendemic. Bonjour Benjamin. Bonjour Thomas de WeDoWiz. Alors cette semaine, de quoi parle-t-on? On va parler de fournisseurs, de trouveurs, d'identifieurs, de dénicheurs d'idées cadeaux. Parce que je sais pas pour vous, mais moi je suis vraiment lamentable en idée originale de cadeau. En plus j'ai pas le temps, en plus ça m'ennuie. Et dès que c'est l'anniversaire d'un copain, d'un ami, et que il va falloir trouver un cadeau, on attend le dernier moment pour essayer de trouver un truc, et finalement on trouve un truc pourri qui va être une carte musique à la Fnac, où vous voyez un peu l'idée. Alors il y a quand même des, quand on tape sur Google idée cadeau, on trouve plein de choses. Donc qu'est-ce qui change ici avec cette idée? L'idée, c'est de pouvoir personnaliser les choses. Serait d'avoir un service, un site web sur lequel vous mettez l'âge, les centres d'intérêt, la couleur préférée, est-ce que c'est un homme, une femme, qui va ensuite vous permettre d'avoir une liste de cadeaux à différents prix, et vous n'aurez qu'à cliquer. Ça, c'est super bien pour les feignants. Vous cliquez, vous choisissez la couleur du paquet cadeau et vous le recevez chez vous, comme si c'était vous qui aviez passé des heures à réfléchir et à aller faire la queue dans les magasins. Ou encore pire, vous pouvez l'envoyer directement chez la personne à qui vous voulez l'offrir. Ça n'existe nulle part. Je ne l'ai pas encore vu, donc je pense que non. Eh bien, on peut quand même charger nos auditeurs d'aller faire leurs recherches. S'ils trouvent une idée, exactement, une entreprise existante, ils nous la soumettent et on sera ravis de les découvrir. Concrètement, les barrières à l'entrée sur ce type de nouveau business, faibles? Très, très faibles. C'est juste de trouver le bon partenariat pour trouver des cadeaux ayant une gamme de prix assez large. Voilà. Personnellement, moi, j'aimerais bien une Aston Martin, mais je ne sais pas si on peut payer ça avec une carte bleue sur un site internet. Alors moi, mon idée cadeau pour tous nos auditeurs, c'est dès la semaine prochaine, une nouvelle chronique de Benjamin Chaminade, c'est promis, fondateur de Trendemic. Merci. Bravo Thomas, merci.